Eh bien, bonjour à tous, c'est Louis Fifty Shot et je vous présente une petite vidéo de Resident Evil 6 jouée par mon frère. Donc, je vais faire des vidéos aussi de Resident Evil 6 quand j'aurai le temps pour les ajouter sur ma chaîne YouTube. Donc là, je vais vous montrer un petit extrait de mon frère qui joue à Resident Evil 6, du coup. Donc, il est sur la carte l'avant-fusion et il joue avec Léon. Donc là, il va atteindre bientôt les 70 kills. Donc l'avant-fusion, c'est vraiment une carte super. Mais le problème, c'est qu'il y a un monstre vraiment chiant à battre qui se régénère tout le temps. Enfin, tout le temps. Il est dur à battre, quoi. Donc là, il va atteindre bientôt les 80 kills. Donc en fait, pour bien jouer, il suffit vraiment d'économiser ses munitions. Mais il faut pas faire trop d'attaques spéciales pour éviter de perdre la santé. Enfin, c'est un conseil que je donne. Et 80 kills, bravo. Et un autre petit conseil, détruisez tous les bonus temps que vous trouvez. Il faut toujours tous les détruire en premier et après dégommer les zombies. C'est un grand conseil. Ou sinon, vous pouvez faire petit à petit, genre vous dégommez quelques zombies, vous détruisez des bonus temps, dégommez des zombies, détruisez... Et ainsi de suite. Il reste donc 1 minute 35. Ou un conseil que j'utilise souvent aussi, c'est que pour les 30 premières éliminations, utilisez votre petit pistolet, gaspillez pas trop vos munitions dans les ce qui est lance-grenades et tout ce qui est tout le reste. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de me laisser un j'aime à ma vidéo. Et abonnez-vous aussi à la chaîne d'un pote. Sa chaîne, c'est ZugZug30. Je mettrai le nom dans la description de la vidéo. Il reste 35 secondes. Ça va être chaud. Donc, il atteint les 101 kills, là. Et je vous laisserai mon PSN dans la description de la vidéo. Pas celui de mon frère, mais le mien. Fin.
fin de la vidéo. Donc voilà, il a bien joué. Donc salut à tous et n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à ma chaîne et celle de mon pote. Salut.